Bonjour à tous, c'est Bresto. On se retrouve pour une nouvelle partie de jeu de Go sur Fox. Donc on affronte un joueur 3ème Dan avec un fusé qui est croisé. Donc je vais jouer Komoku Oshii et lui il joue Komoku Komoku. Ok. Alors, il approche ici. On va empêcher le Shimari directement. On n'a pas envie qu'il fasse un Fuseki Kobayashi par exemple même. Et il nous kick ici. Ok. On va monter. Il va s'étendre. Et on va s'étendre au haut parce qu'on est bas ici. On va essayer de jouer un peu à mixte. Ouais, du croisé, c'est assez cool. C'est cool. Et il approche par là. Ça donne quand même envie de taper en O4. Je sais pas. Je pense que les trois coups, ça doit être OK. Voire, on pince. On dit OK, ce burner est intéressant. Et quand il saute, je saute. Mais peut-être qu'il va écraser. Et dans ce cas-là, je coupe peut-être. Ça a l'air d'être le plan. Hop! Parce qu'on est les méchants et c'est gentil. Bioman. Pas mal. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai déjà vu, je crois, mais je ne sais pas comment punir ce truc. Ça donne envie de déchirer la forme. Mais peut-être qu'il faut aller en O5 tout simplement. C'est pas impossible. J'ai vu la dernière partie, Jin Chinseo. Ils ont fait une croisée aussi. Ils nous coupaient tout le temps. Si je viens là, en fait, il recule ici. Bah, si je viens là, j'ai l'impression que c'est le bordel, en fait. Mais on aime bien, au pire. Ça peut être marrant. Et maintenant, est-ce qu'on vient ici? Comme ça, il vient là. On descend une fois. Il descend. Ça a l'air pas mal de faire ça en vrai. Et on protège ici? Ou peut-être un peu plus loin? Ça donne quand même un bord est assez conséquent. Il nous restera même des coups vers P2 plus tard. Peut-être solide quand même. Neymar aussi fait les croisés. Il va rajouter un coup par là, hein, j'imagine. Mais en vrai, un coup comme D6 ou C6, ça doit être pas mal pour le moment. Voir la double approche ici, hein. Mais ouais. Ah, il a pas mal de bons coups par là. Alors en soi, je suis surconcentré sur un bord. Il peut me punir, là. Mais non, ils ne veulent rien laisser sur Fox. Ça, on connaît. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Par ici? Il va passer au-dessus? On vient là? Non, il veut passer par là, ok. Il est ici, très bien. Donc il imagine ça, tac, 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 tac. Atari, il monte, je fais Atari, il vient là, je viens là, il vient là, tac. Oh, c'est compliqué, non. Tac, il protège, je viens là. Oh, ça a l'air de bien marcher son truc. Je sais pas. Parce que ça donne envie d'aller là pour moi, mais ça laisse pas mal de faiblesses quoi. Peut-être qu'il faut que j'ajoute un coup par là quand même. J'ai l'impression qu'il y a des petits pièges. Mais dans ce cas-là, il peut venir ici. Et moi, j'ai pas le droit d'aller là encore. On va gagner une force quand même. Bah, il va descendre par là. Non, il vient ici. Et il y a pas mal de points de coupe, hein. C'est gênant quand même. C'est gênant tout ça. S'il coupe ici, qu'on protège, il vient là. Ouais. On est un peu obligé de protéger. Et ouais, il rajoute un coup pour vivre, quoi. Ça a l'air pas mal. Tout simplement, ça semble naturel surtout. Et est-ce qu'il nous reste quelque chose à faire ici? En soi, on est plus bas là. Un coup par là. Ouais, non, je pense que c'est. Il n'y a pas grand-chose à faire. On va aller par ici. On va aller par ici. Hop. Protège là.
Ouh, ok. Et on va venir par ici, développer un peu, faire en même temps extension à ça et venir par là. Ok, il joue par ici, ce qui me donne envie de venir par là quand même. Oula, développer encore une fois un moyau. Il y a quand même beaucoup de force pour blanc sur l'extérieur. J'ai envie de gagner quelque chose sur le centre. On répond. Et il la joue comme ça. Bon, bah on va prendre de ce côté. On doit faire atterrir d'abord. Et atterrir ici. Très bien. On va capturer, je pense. Ça menace d'aller par là, mais en même temps ça menace d'aller par là, de faire soit vers là pas mal, soit vers là pas mal. Il vient ici, très bien. On va juste monter. Ce qui menace d'aller en D18 et de faire quand même un coin très intéressant. Ici, je pense que. Voilà, un petit coup là, tac, et ensuite s'étendre, ça aurait été pas mal. Mais en même temps, il vient mettre la pression directement sur mes trois pierres. Ce que je comprends. Ils revendiquent tout le plateau. Ouais, bah ça c'est Fox. Hein. Ils veulent rien laisser. On va s'étendre. Par là. Et peut-être des petites faiblesses par ici, puisque le coup classique c'est P3 et non. F3, pardon, et non G3. Et là, il vient là. Très bien. Encore dans l'idée de développer pas mal ce centre. On va aller par là. Oh, peut-être, non, je devais aller là d'abord. Erreur de ma part. Ouais. Ouais, là, c'est dommage. C'est un peu le risqué, tout ce qu'il fait quand même. On va venir par ici. Est-ce que j'ai droit d'aller là? Tac. S'il vient là, on vient ici. S'il vient là, on vient là. Et avec là, on va là. On va faire cet atari d'abord. Je vais venir ici. S'il bloque là, on peut venir là. Donc il vient ici et on vient là. Peut-être que j'aurais dû choper le timing de cet atari, mais en même temps j'avais peur de trop abîmer mes trois pierres là. S'il pousse, on vient ici. Ici, on vient là maintenant. Qui pousse, on vient là. Qui fait contre-atari. On monte. On vient là, mais on capture. Donc, il est obligé de défendre. On va venir là d'abord. Protège. Un petit coup par ici. Un petit coup par là ensuite. Hop. Attention, hein. Attention, mon ami. Si on vient là et qu'il coupe, on peut venir ici. Capture, on remet en atari, il revient là. On n'a que trois libertés quand même. Ah, ça passe pas.
J'ai pas l'impression que ça passe. Hein. Dommage. Par contre, ici, ouais, il doit rajouter un coup, hein, j'ai l'impression. Et là, s'il force, on vient là. Atari, on monte. Et il peut plus rien faire, non? On va venir par là. Ok. Encore une fois, c'est pour développer le centre, hein, tout ça. Ça ou... Ouais, ça puis ça. Ou ça tout de suite. Ouais, ça c'est pas mal. Et ça, je pense qu'il peut peut-être ignorer et détruire le centre. Donc ça a l'air plus urgent. On laisse ça en suspens. Par contre, il va falloir que je pense à ça aussi. Cet emplacement. Là, je pense qu'il va jouer là. Non, il vient attaquer. Ok. Legit, hein. On fait ceci. Il vient comme ça, ok, ça c'est très bizarre. Je viens là du coup, hein, ça donne envie quand même. C'est bizarre ce qu'il fait, non? On vient ici. Alors, j'ai des petites faiblesses hein, quand même, hein, c'est sûr. Je sais pas le timing derrière là. Hein. Tac, tac, tac. Parce qu'il peut aller là. Je viens là. Je vais perdre une période. Mais si je fais cette séquence-là, s'il vient ici. Je peux pousser là? Il vient là? Je pousse là? Ouais, mais il aura peut-être une séquence pour passer au-dessous ici. C'est un poil risqué ce que je fais là. C'est un poil risqué quand même. Si sur YouTube vous aimez bien la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à celle-ci. J'ai failli encore oublier de faire ça. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Merci beaucoup. Du coup, il pousse ici comme on disait. Est-ce qu'on doit faire Atari ici? Ouais, je pense. S'il fait contre-Atari, nous on fait contre-Atari ici. J'ai l'impression que c'est assez gros. Ok, enfin. On a un très très gros centre en tout cas. Ça c'est cool. Ça a l'air d'être pas mal quand même. Et il fait contre-Atari. Donc on fait ça. Et on récupère ce coin. On a plus de liberté. A priori, ce sera une forme vivante. Et même si je joue ça, je vais là. Il vient là. Tac, tac, tac. On a tellement de liberté que ça passe. Oui. Si on vient ici maintenant, qu'est-ce qu'il essaye de faire? De tout attaquer. Très bien. Très bien, très bien. Dans ce cas-là, il faut sauter une fois ici. Ah, il veut rien me laisser. Hein. C'est incroyable. Déjà, on va faire cette Atari.
Et dans ce cas-là, on peut peut-être aller là. Ou juste ici? Non. Après, je sais même pas si c'est de la jalousie, c'est il commence la partie tout simplement en disant tout ce que tu vois est à moi. En fait, c'est ça, hein, c'est le Goban m'appartient. C'est un peu, tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. On va protéger. Il va couper. Ou pas. On va sauter ici. S'il coupe, on vient là. Non, il ne coupe pas toujours. Très bien. Bon, je vais connecter, moi. Ça semble quand même assez bien de connecter. Bon, là, il faut pas faire de la merde parce qu'on a quand même une grande force, quoi. Je trouve que Fox c'est bien pour ça, si tu as pas un jeu solide, tu perds à chaque fois. Ouais, moi ça dépend vraiment des parties. Ça dépend des parties. Parce que c'est assez difficile psychologiquement, hein. Tu construis quelque chose, finalement il retire tes trucs et tout. Mais oui, tu fais une force. Tu fais une force. Mais bon. Et hop, un huitième groupe. Ouais, alors là, c'est sûr que là, il peut les compter. Je vais mettre juste le dernier coup à ce stade-là. Ça va être un peu plus clair pour tout le monde. On sent l'improvisation. Hein, est-ce qu'on risque vraiment quelque chose avec cette coupe? S'il coupe. Fait, je suis en train de regarder si je peux pas tuer tout ça. Mais... Je vais surtout connecter ça et ça. Ça semble important. S'il coupe, on connecte tout simplement. Reporte. Hop. Il va chercher des choses par ici, j'imagine. Ok, comme ça. À cause de la menace de connexion A13, je pense que pas que tu puisses tuer. Ouais, c'est ça. C'est ça qui empêche, je pense, oui. Même tout simplement à 12. Je vais réussir à faire des bêtises, hein, vous allez voir. Est-ce que ça suffit pour moi? Tac, il vient là. Je viens ici. On doit aller là? Blanc, noir. C'est un peu risqué peut-être. On va aller là. Mais ouais, c'est compliqué. Il vit ici, est-ce que je gagne vraiment cette partie? Compliqué. Il a l'air quand même bien vivant. Il a l'air bien vivant.
Ah, je vois rien. Il est vivant, hein. Après, j'ai encore des gros coups, hein, des trucs à développer par ici. Mais ouais, c'est dommage. Je me fais avoir, hein, clairement. Je me fais avoir, là. Hop, dub. Il rajoute un coup par ici. Ok. Attention, il reste peut-être des petits coups par là. Ah, peut-être. Ah, non. Mauvais réflexe. Je fais la belle forme, oui, mais là, non, je dois peut-être faire l'angle vide. Parce que peut-être qu'il y a un petit truc à viser par là. Parce que je pensais à un coup comme ça tout à l'heure. Bon, il existe encore, mais là, il va rajouter un coup ici. Moi, j'aurais joué K7 à la place de L11. À la place de L11. K7. Ok. Tellement dur de se retrouver dans les coordonnées sur ce serveur. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose à faire par ici? Déjà par ici. Est-ce que tout ça c'est ok? Ça a l'air quand même. Elle est là. Ok. Attention, on se laisse comme ça. Ici, il y a peut-être quelque chose, hein, quand même. Oula. Bon, en force. On va jouer du côté qui ne nous intéresse pas. Blanc, noir. Oh, en fait, non. Blanc, noir, blanc. Plutôt. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt le coin. Et en plus, de ce côté, est-ce qu'il aurait une base de vie assez... Ouais, voilà. Ok. Il échange son coin contre un groupe mort dans ton boyau. Exactement. C'est la nouvelle méta. Ok. On va renforcer ici. Et il va faire Atari aller là. Non, il coupe là parce qu'il... Parce qu'il est en train de dire... C'est tout ça qui va mourir. Oui. Il y a une coupe, je dois y aller. Alors ça, pourquoi pas, hein? Quand il y a une coupe, quand tu peux couper, tu coupes. Est-ce que ça pose problème si je fais ça? Et qu'ensuite... Il vient là, je viens là. Non. Si je fais ça et qu'il vient là, je viens là, il fait Atari, je fais contre Atari. Hein. Sinon, c'est dangereux pour ça. Ouais, ça a l'air de passer. Ça a l'air de passer. J'ai eu peur de perdre tout ça. Mais en fait, s'il va là, je peux même aller ici. Oui. Bon, de toute façon, il va forcer la séquence. Ok. Tac, tac, tac. Mais en fait, ça me gêne pas et je peux quand même aller là. Tout marche en fait ici. L'un ou l'autre. Ok. Il va revenir sur ça. Hein. Atari, tac. Et ensuite, c'est pas évident de trouver son prochain coup quand même. Attention à pas mourir dans le coin ou pas mourir là, quoi. C'est ça le truc pour lui. Enfin, moi, ça m'embête pas, mais. Hop. Petit F14. Il peut plus fuir, donc Atari ici. Est-ce que j'avais besoin de cet Atari? Si, oui. Il vient de ce côté. Ok.
On résiste. Et comment on protège ensuite? Bon, Atari. Déjà. Et capture, hein, si tu me proposes. Qu'est-ce qu'il va jouer comme menace? Ça? La question. La grande question, c'est est-ce que c'est vraiment une menace? Si je capture ici, et qu'il capture là, je peux revenir ici. J'ai l'impression que je peux faire des trucs par là, non? Capture ici. Il fait Atari là. Donc nous on capture là. Et s'il recapture ici, on s'en fiche. Parce qu'on capture là. Donc il vient ici. Ok, on répond. Il recapture là. On protège ici. Ouais, c'est vrai que je complique un peu tout là. Mais ça avait l'air tentant, tellement tentant en fait. Mais c'est vrai que je suis carrément rentré dans son jeu ici. je suis vraiment rentré dans son jeu. Mais voilà, avec la forme en fait, je me dis même sur l'extérieur, parce que là il doit protéger ça. J'ai 4 libertés ici, j'ai 7 captures. Mais même, on a des trucs par là. Tac. S'il va là, il est là. S'il va là, il est là. Il n'y a rien en fait. Ça donne même tout simplement envie de capturer ça d'abord. Si je viens en Q18 qui protège, je viens là. S'il descend, je capture. Donc ça a l'air ok tout ça. Ça a l'air plutôt ok. Et là, c'est double co, donc on gagne un des deux. Donc soit on se connecte de ce côté, soit on se connecte ici. M14, sympa. Alors, où sommes-nous en M14? Oui, ça marche pareil, mais je pense que H14, c'est très... N14, pardon, c'est très bien aussi. C'est tellement écrit petit, pardon. Et il vient ici, du coup... Ok, du coup, maintenant, le plan, c'est de tuer ça. Pour lui. Dans ce cas-là, je vais recapturer ici, ce qui fait Atari. Mais s'il répond, je fais Atari ici, il peut plus répondre sinon on capture là. Dans ce cas-là, il capture de ce côté. Et nous, on capture ici. Oui. Et il abandonne. Merci pour la partie. Sur YouTube, j'espère que la partie vous aura plu. N'hésitez pas à me dire hein, si ça vous va qu'on fasse une fois de temps en temps aussi, ou c'est en mode rediff comme ça, avec les personnes sur Twitch. Ça peut être aussi sympa d'avoir les réactions des gens et tout. Et sur ce, je vous dis bonne fin de semaine et à la prochaine. Salut !